Ça faisait longtemps. De retour face à la caméra. Pour faire les aveux. On n'a pas filmé depuis longtemps, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas bien, mais il y a une raison. On a été très occupés avec notre pote Thibaut qu'on a retrouvé. On a enchaîné pas mal de kilomètres. Le sud de l'île du Sud, l'ouest, jusqu'à remonter à l'île du Nord. Donc on est arrivé à Wellington. C'est ici que la suite de notre voyage va se dérouler. On va remonter tranquillement jusqu'à Auckland d'ici dans les deux prochaines semaines pour pouvoir enchaîner notre voyage. On reprend la route dès cet après-midi pour de nouvelles aventures. C'est parti. J'ai presque oublié ce que c'était les montées. C'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, on en reprend un peu. Ça nous rappelle des souvenirs outre-pacifique quand on était en Amérique du Sud par ici. Parce que les randonnées sont ce qu'on peut appeler des vraies randonnées où ça monte. Les paysages sont à couper le souffle. Personne à perdre de vue. C'est pour ça qu'on aime bien ce pays aussi. Beaucoup plus petit, beaucoup plus accessible. Mais il y a de quoi faire. Alors si t'as pas vu Le Seigneur des Anneaux, tu peux directement arrêter de regarder cette vidéo puisque tu vas pas trouver ça foufou. Mais là, tranquillement, tu marches et tout, tu te dis où est-ce que je suis. Et en fait, derrière, ça, c'est là où ils ont tourné Le Seigneur des Anneaux, c'est ce qui correspond au Mordor. Salut! Alors aujourd'hui, on s'est lancé depuis ce matin 7h dans la crosse alpine Tongariro. Pour t'expliquer un peu, ça nous emmène au cours d'une randonnée de 19 km, au cours des volcans, des lacs. Enfin, c'est vraiment une belle randonnée, assez accessible, du coup assez touristique, mais qui vaut le coup. C'est un peu la plus célèbre dans le coin à faire. S'il y a bien une constante en Nouvelle-Zélande, c'est le pique-nique du midi. Ce soir, c'est un moment historique pour notre génération, un moment historique pour notre voyage aussi, puisqu'on va vivre le dernier épisode de Game of Thrones dans notre van. Fallait absolument qu'on capture ce moment parce que quand on sera vieux et fou, je pense qu'on voudra se rappeler de ce moment. Bonne soirée, merci. C'est parti. Alors pour ce midi, on va se rendre dans un restaurant qui tient plutôt du concept store. Ne nous jugez pas, si vous êtes des anti-McDonald's, il ne faut pas nous juger parce que celui-là est vraiment différent. C'est parti pour le McDo le plus cool du monde.
Hello, dernière journée en Nouvelle-Zélande, du moins dernière journée où on faisait quelque chose. Une petite randonnée pour finir en beauté, comme tu as pu le voir. Des paysages encore une fois magnifiques et variés, c'est vraiment ce qui est excellent avec ce pays. Tout est beau, tout est à proximité, c'est super facile à visiter, particulièrement avec ça. On était en bonne compagnie en plus. Bonne compagnie, puisqu'on a retrouvé Thibaut pour la deuxième fois. Après 2 ans sans se voir, on a quand même réussi à se voir plus d'une semaine à l'autre bout du monde. Donc ça, c'était excellent. Demain, on remonte vers Auckland, nuit à l'aéroport. Et direction l'Indonésie, où encore de belles choses nous attendent, je pense. On va essayer de profiter encore plus tranquillement, de se faire des mini-vacances. On se retrouve en Indonésie pour des vacances, environ 3 semaines. Bye. Peace.